Boisfoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. En illustration des images et reportages des moments forts qui ont marqué cette journée de Régional 1. Match replay. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Retour sur la rencontre du CSM. Sous le regard de nos confrères de Télé-CSM. Avec la composition des deux équipes, on commence par la Courage de Master, qui aligne dans les buts en 1 Frédéric Tejou, capitaine d'équipe. Le numéro 2, Florian Otto, en 3 Laurie Régnal. Le numéro 4, Romaric Thoran. Le numéro 5, Valérie Kwame, en 6, Yann Brissac. Le numéro 13, Jessie Bresto. Le numéro 10, Léry Adali, en 11, Ned Roche. Le numéro 9, Luigi Saban, et le numéro 7, Wendy Fortuné, les remplaçants bastériens, Henrik Valérien, Wizzy Bouto, Vidian Valerius, Joris Massio et Ronald Echard. Cette équipe de la Gauloise est entraînée par Wally Edouard et Geoffroy Luigi. Des applaudissements pour la Gauloise de Master. Le club sportif Nouvelle aligne dans les buts en 16 Kevin Ajax. Le numéro 2 Morgan Justine en 17 Villemain Alal. Le numéro 4 Montantin Kenji. Le numéro 5 capitaine d'équipe Jérémy Vanni. Le numéro 29 Mixio Dinan en 20 Louis Sébastien. Le numéro 34 Salé Grégory en 32 De Pen Christopher. Le numéro 36 Carlé Ryan et en 14 Thierry Vitache. Les remplaçants mouillés ce soir, en 21, Vamion Cédric, le numéro 35, Chafon Manuel, le 33, Jean-Pierre Wilson, le numéro 18, Eker Thibault, et le numéro 30, Tiberge Marvin, le CSM entraîné par Richard Arder, Sylvie Zassel et Rodrigue Zami. Les arbitres de la rencontre, M. Laurent Girard, il sera assisté par M. Baptiste Thierry et Lionel Legras. Le délégué de terrain, c'est M. Jolier. Bon match à tous, et que le faire plaisir de l'heure. Qui arrive à la live, et la frappeur qui est déviée. Il va probablement jouer long sur son milieu de terrain. Voilà, il joue sur Sébastien Lobry rapidement avec Mixio qui sent ballon récupéré tranquillement par le milieu de terrain. Ah là là, il arrive à passer. Il arrive, il y va. Oh là là, non, il aurait dû lui laisser la balle. Il était en jeu, alors que. Il a coupé la course de Mixio, qui était bien placé pour frapper cette balle. Qui a vraiment su s'arracher. Il s'est coupé les lignes. Ah ouais, franchement. Le partenaire n'aurait pas dû jouer la balle. Non, il n'aurait pas dû jouer le ballon. Ouais. C'est Brissac qui récupère, qui essaie de lancer de ce partenaire. Récupération au milieu de terrain avec Mixio. Qui là, là, arrive il a un petit à peu chahuté, mais il s'en sort. À s'en sortir. Ah ouais, elle est belle. Voilà, et ballon pour... Ah oui. Oh là là, oh, l'enchaînement, dommage, c'est pas fini. Et là là, et belle. Là, je peux vous dire que Tejou, il la sort au pied de son poteau. Oui, voilà, il a sorti au pied de son poteau. Bel arrêt de Tejou, Frédéric Tejou, sous cette frappe tendue de Morgan Justine. Alors que dans un premier temps, c'était Carlé qui avait tenté de surprendre le portier bastérien. Bon, Saban qui contrôle, qui met toute sa puissance, il est puissant. Et oh là là, il joue au sol. Il joue avec toute sa puissance. Là on a bien vu, l'arbitre a vu tout de suite, hein, le juge de ligne a vu tout de suite la faute. Attention, il fallait la toucher, Kevin. Il l'a touché. Voilà. Mais l'arbitre n'a pas soufflé la faute. Hein. Ouais, il reprend sa loi dans son but. Carré. Ouais, dans son rectangle. Ouais. Ça joue. Donc, ballon pour Villemain. Villemain qui essaie de progresser avec la sentinelle. Mixio qui a servi Montantin avec Thierry.
Tillé qui sera à nouveau. Voilà, il contrôle. Et... Deuxième. Ah là là, la frappe. Pour le très bon pas aussi des Guadaboy, hein, on rappelle. Mais non, mais il fallait, là, il fallait pas qu'il frappe, là, voilà. Il était tout d'un an. Il fallait donner son ballon voilà. Au deuxième. Il y avait Alain Villemain qui était monté. Il a été très fort à la roue de Saint-Jean pour le Géroul et notre nouveau partenaire, Nel Côté. On joue dans quelques minutes pour la seconde équipe. J'ai à chaque fois l'impression, et je pense que je ne me trompe pas, qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire beaucoup mieux. À chaque fois que je vous regarde, je vois comment ça se passe, je me dis, mais on aurait pu mieux faire, avec un peu plus d'attention. J'attends pas, hein. J'avais dit ça, hein, agressivité, hein. Ils sont là. Hein. Donc, quand c'est comme ça, pour éviter ça, il faut enchaîner vite, aller vers le ballon, contrôler dans la bonne direction pour donner. Ok, ça c'est important ça. Pour qu'on puisse finir des actions devant le but, au moins une balle qui traverse devant le but. Vos coups francs, vous donnez le ballon au gardien, les gars. Vos coups francs, vous envoyez la balle derrière. Vous n'avez pas d'adversaire sur un coup franc. Au moins, vous pouvez vous l'aider. Pas la balle là, il est là, il peut être ouvert un peu gêné. Mais si c'est pour fond, passez gardien, quand les VMA et conseil qu'après, la balle est trop haute. Et prenez votre temps. Prenez votre temps. Ça joue au milieu. Morgan Justine. Elle est bonne. Oh, ah, il enchaîne pas. Il s'est fait bouger. Il enchaîne pas. Il... Ouais. Non, mais il aurait dû tenter. Là, tenter direct. Qu'est-ce contrôlé. Que je viens de vous dire? Il n'enchaîne pas. Tout le monde est à l'affût pour le CSM. Et renvoyé par Grégory Samy. Regardez le vent. Il repousse le ballon. Elle n'a pas été très loin. Ouais. Ouais. Ah, oui, il est passé. Attention! Il va frapper, oh là là! Heureusement qu'il a pris du gauche! Wow, super! Super! Autant la tête! La première belle occasion! Ah voilà, bah, c'est exactement ça, on va noter la minute parce que franchement. Ah ouais! Superbe tête! Il a aussi bien envolé de Frédéric Téhé. Ah, les deux étaient magnifiques! Malheureusement, il n'a pas pu prendre. Le bon contrôle du ballon. Donc le changement va être fait pour le CSM. Alors que nous jouons la 75e minute. Un petit quart d'heure de jeu encore. Oh là là. Et le but contre son le but contre oh, le but contre son camp. Oh le but gag. De Morgan Justine. Oh là là. Oh là là. Le but de la Gauloise. Malheureusement contre son camp de Morgan Justine. 1-0 pour la Gauloise. Là, il ne faut pas dégager tout de suite, il faut faire attention. Oh là là, impressionnant. Regardez-moi ça. Oui, regardez-moi ça. Tout le monde doit se partir là. Oh là 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 là. Tornade, c'est pas possible. Oh là là. Et on va ajouter 0 minutes. Après. C'est plus sage. Oh là là, c'est impressionnant. C'est une véritable tornade. Ah, c'est vrai que j'ai jamais vu ça. Oh là là. Oh, les conditions. On se retrouve juste pour le bilan de cette rencontre qui s'est terminée dans un déluge incroyable. Bah, c'est de dire que du côté du CSM, les balles n'arrivaient pas aujourd'hui. Peu d'occasions, la seule, c'est cette tête de Tillé qui est bien prise par Tejo. Sinon, bah, ça s'est joué sur un coup de dé. Il y a eu cette occasion aussi de mixture, bien déviée par le petit Tejo. Mais malheureusement, c'est un match terne, conclu par une victoire de la Gauloise sur ce but contre son camp de Morgan Justine. L'autre
autre rencontre, c'était l'amicale, l'amicale de Marie Galante. Et bien, il y a eu des images et ces images sont signées l'Amicale TV. Bienvenue ici à Capesterre de Marie-Galante pour assister à la rencontre entre l'amicale de Marie-Galante et le Fer du Canal. L'amicale qui a fait son premier match où il a réalisé le match nul 0-0 contre la JSVH et le Fer qui a remporté son premier match. Penalty sur Dimitri Zig. Il a beaucoup d'un coup franc et la remise. Pour l'amicale, nous sommes à la Dimitri, hein, moi nous sommes à la. Troisième minute de jeu, but de Dimitri Ramorot pour l'amicale. Hein. Attention, coup franc excentré sur le côté droit avec Passav qui va quitter la balle, penalty. Oh là, c'est une histoire de penalty, donc main du capitaine. Du capitaine Amboudjaki. C'est un banqueur qui est à la penalty. Qui se reprend à deux fois. C'est Thomas qui est parti du bon côté. Qui essaie de déborder Laurent. Laurent qui était là, qui reste debout là, qui va léser, qui essaie de centrer, mais il est contré à nouveau par Laurent. Et la balle qui s'élève toujours encore. Attention, débordement. Et la balle qui sort, et le but. Et le deuxième but, voilà. Et le deuxième but pour le. Et le deuxième but pour. Match replay. Et hors jeu. Et donc la but est refusée pour le but qui est refusé. La première mi-temps s'est finie ici sur le score de un but partout entre ces deux formations. C'est une histoire de pénalty où le Phare du Canal a concédé un pénalty par son parti banqueur qui a fauché dans sa phase de réparation, Dimitri Zig. Et donc c'est Dimitri Ramonte qui a botté le cuir. Et pratiquement deux minutes plus tard, c'est le main dans la phase de réparation de Jackie Lamboud. Et c'est Anatole qui s'est repris à deux fois pour pouvoir marquer cette égalisation.